en 2016 comme en 2015, je pense que nous serons plutôt sur une pause de recrutement de l'ordre de 1000 personnes par an, puisque nous avons dû anticiper les montées en cadence pour nos développements et pour les processus de production qui pour nous sont plus en amont que nos sous-traitants.